la valeur intrinsèque de l'enthousiasme des gens est émancipée par le contexte de leur environnement affectif réel. Depuis que le monde accorde de la reconnaissance à ceux qui manifestent cet enthousiasme, et dans la mesure où ils ne perdent pas le contact avec leur propre réalité. La réalité est le fondement de la sagesse conventionnelle individuelle, dans laquelle chaque expérience appartient à une seule et même personne. Alors que chaque réalité individuelle peut être perçue par les autres comme rien de plus que de l'imagination. Ça peut changer si cette imagination parvient à provoquer chez d'autres une certaine empathie. Dans ces cas-là, elle vient potentiellement se substituer à leur propre réalité. Tandis qu'un sentiment de plénitude peut paraître vide de sens dans le monde virtuel, on peut dire exactement la même chose de la sensation de plénitude ressentie dans le monde réel. Comme toutes les tentatives infructueuses d'atteindre l'éternité. Dont de fait, les limites sont définies parce que la réalité se retrouve confrontée aux barrières biologiques de chaque être humain. Dans un siècle qui a vu tant de guerres et de révolutions, une idéologie rejetait le principe de la propriété privée en se concentrant plutôt sur une notion de l'économie pouvant sauver l'humanité. Idéologie qui s'est autoconsumée et complètement effondrée. Tandis que le système de libre concurrence qui s'imposait triomphalement se nourrissait du principe de la création de profondes disparités régionales. Terreau fertile pour un tourbillon de dissensions géographiques qui embrasèrent le monde et aboutirent à une sorte de statu quo. Une atmosphère de mutuelle ignorance, réprimée au début, donna finalement lieu à une guerre mondiale larvée entre les deux grands systèmes. Mais quand la lutte des modèles économiques arriva à sa fin, les tendances nationalistes et les intolérances religieuses revinrent en force et ravivèrent brutalement des sentiments amers et des souvenirs douloureux du passé. Quand des efforts furent faits pour rétablir l'ordre, la raison avait commencé à disparaître. Les gens s'étaient sentis obligés de retourner à leurs instincts primitifs. Une société sans compétition ne peut pas se développer. Et la stagnation aboutit à l'instabilité. Y compris si la technologie triomphe aux dépens de l'idéologie et de la religion. La lancinante question de la propriété et une redistribution parcimonieuse des ressources finissent par en résulter, comme des conséquences directes de l'affaiblissement de l'activité économique. Certains noteront ironiquement que la reprise de la simple notion d'utopie sociale fut progressivement abandonnée avec l'arrivée de la nouvelle ère qui restaura l'activité économique. Si quelque chose menaça la continuité de cette paix technologique, ce ne pouvait être que les désirs irrationnels de ces gens qui cherchaient à en tirer des avantages pour éradiquer la faim, circonscrire les maladies, et pour prévenir et éviter les catastrophes naturelles. Ou plus simplement, se reproduire dans le seul but de laisser une descendance. Ces besoins primaires restant incontournables, l'humanité qui cherchait un sens et des objectifs à l'intérieur de sa propre existence s'inventa une issue de secours. En conséquence, plus qu'intentionnellement, les gens firent confiance à leur imagination pour satisfaire tous les désirs qu'ils ne pouvaient assouvir dans la réalité. Et ce choix fut facilité par l'introduction d'une nouvelle innovation technologique. Avalon, conçu comme un simulateur de combat de type RPG, ce jeu très spécial profite des toutes dernières avancées en physiologie cérébrale. Il offre un environnement ouvert aux idées émises spontanément et permet une multitude de possibilités pour ses utilisateurs. Il est parfaitement adapté aux désirs humains, aux désirs de ceux qui veulent échapper à ce monde immuable. Les joueurs ne sont plus reliés par un équipement classique de perception virtuelle. Ils sont maintenant directement introduits dans l'environnement du jeu, grâce à une simulation d'ondes courtes à l'intérieur du cortex cérébral,
les combats qui sont menés dans le contexte scénaristique du jeu et la passion des joueurs injectés dans cette nouvelle sorte d'avatar permettent de combler les attentes en matière d'action. Les récompenses parviennent aux joueurs méritants qui sont jugés grâce à un système d'évaluation impartial. Un nombre limité de règles de base et, à la différence du monde réel, l'assurance que tout soit réparti équitablement, autorise à lancer plusieurs fois un défi. Ainsi, n'importe qui, pour peu qu'il soit persévérant, peut gagner. Avalon conquit immédiatement des millions de fans partout dans le monde, incluant un nombre croissant de membres de groupes illégaux appelés parties. Il y eut cependant un aspect du jeu qui fut très controversé. C'était la présentation d'un monde dédié à la destruction, aux tueries, à la trahison, et perçu comme totalement cynique. Ainsi, tout le monde dut affronter la vérité. Un seul endroit fournissait les réponses aux questions qu'on pouvait se poser. L'essence de l'humanité que les gens cherchaient partout avait trouvé refuge dans ce monde de lutte imaginaire. Avalon a également donné naissance aux Neuf Sœurs, des programmeuses légendaires qui sont chargées d'importer les environnements et d'intégrer les nouveaux joueurs. Le monde virtuel est peuplé de chasseurs solitaires qui essaient de suivre à la trace leurs proies artificielles. Un monde que les gens appellent Avalon F.
ton jour de chance, on dirait. Joueur 0538, dommage que vous ayez dû mourir. Voulez-vous retourner dans le jeu ? Bien sûr. Une pénalité va être décomptée de votre niveau d'expérience. Les 9 sœurs restaurent l'assistance. Joueur entrant 0538. Je n'ai pas besoin de ton aide. Thank you.
J'appelle ça de la stratégie. C'est la meilleure façon d'aller à la chasse. Alors arrête de te plaindre! Et alors? J'ai entendu aussi que tu jouais pour faire vivre ta famille. Parce que ton mari était un poivreau et un drogué. Eh bien moi, j'ai entendu que tu étais une vieille sorcière qui vivait encore chez ses parents. Tirer pour de faux, c'est parfait pour toi. Ferme ta gueule, sale traîtresse! Putain, sorcière! Elle doit être en train de pister une grosse proie. Madara ? Le troupeau devait sans doute suivre le grand chef. Le boss de faim est à moi ! Joueur 0538, vous pouvez y aller seul. Mais peut-être devriez-vous envisager rapidement d'utiliser un moyen de transport. D'où t'attends que je fasse une chose comme ça? Traquer le boss de faim à pied, ce n'est pas raisonnable. Il est peu probable que vous réussissiez, à moins d'avoir énormément de chance. Je compte sur ma chance. Vous feriez une grave erreur. Vos points de chance sont à un niveau extrêmement bas. Ma bonne étoile me suit partout où je vais. Joueur
0666. Votre temps de transformation est écoulé. Réinitialisation demandée. Joueur 0266, vous avez utilisé toutes vos munitions. Vous devez vous replier. Joueur 0251, la durée d'utilisation de votre moyen de transport arrive bientôt à son terme. Vous devez rentrer à la base si vous ne voulez pas y retourner à pied. Joueur 0251, voulez-vous sauvegarder votre compte? Bien sûr. Environnement de classe A. Désert 22. Objectif 4. Destruction 5. Calibre 50 APSD, munitions utilisées, 24 rondes. Perte de 27% de la vitalité. Point d'expérience gagné, 27 500. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Gray. Quoi? Il est impossible d'en finir avec le désert 22 tout seul. Vous devriez essayer de former une équipe. Êtes-vous en train de me dire que je ne suis pas suffisamment doué? En effet. Par chance, dans cette zone, il y a trois autres joueurs de même niveau que vous. Les joueurs 0266, 0666 et 0538. Vous avez déjà marqué beaucoup de points. Mais si vous continuez à jouer tout seul, il vous faudra des mois pour passer au niveau suivant. Je vais y réfléchir. Oui, s'il vous plaît. Thank you.
Il est impossible d'en finir avec le désert 22 tout seul. Vous devriez essayer de former une équipe. Il est impossible d'en finir avec le désert 22 tout seul. Vous devriez essayer de former une équipe. Thank you.
Il est impossible d'en finir avec le désert 22 tout seul. Vous devriez essayer de former une équipe. Il est impossible d'en finir avec le désert 22 tout seul. Vous devriez essayer de former une équipe.
Ça a l'air de te plaire de jouer les campeurs, hein? Maître du jeu! Joueur 0538, maintenant vous passez en mode campagne à la demande des joueurs 0251, 0266 et 0666. Je n'ai pas fini mon bacon! Je suis désolée, mais ce n'est pas le moment de me jouer ton rôle de gros dur. Suis-moi. Pourquoi t'as besoin de moi? Je déteste devoir l'admettre, mais seule, je ne battrai pas Madara. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous devons faire équipe tous les quatre. Qu'on devienne alliés, c'est ça? Je croyais que tu détestais les autres. Ce genre de discussion doit être tenu dans l'environnement prévu à cet effet. Lâche-nous un peu! C'est une négociation délicate. Alors... fais une exception. Joueur 0251, seulement pour cette fois. Merci beaucoup. J'ai gagné énormément de points d'expérience dans ce tableau. Bien plus que je ne l'espérais. Madara est le dernier monstre que je dois tuer pour pouvoir sortir de la classe A. Et si je monte, je pourrai obtenir de meilleurs artefacts. Il y en a certains qui ont des familles à soutenir. Ferme-la, tête de piaf. On a besoin de ta super arme pour nous débarrasser de cette saleté. Je suppose qu'avec ton calibre 20, tu dois pouvoir faire mouche. Est-ce que tu es aussi bon tireur qu'on le prétend? Si c'était pas le cas, je serais taré de me promener tout seul dans ce coin. Tu sais ce que j'ai entendu dire sur toi? Que tu utilisais tous les points d'expérience pour t'équiper. Que tu étais un vagabond qui errait dans le désert à pied. En d'autres termes, un crétin fini. On se chargera de distraire la cible. Tu n'auras qu'à tirer. Simple, non? Même pour un parfait idiot. Ensuite, on prendra chacun un quart des points. Pour moi, il n'y a pas de raison que tout le monde n'en profite pas. Moi, je veux la moitié des points. Et vous vous partagez l'autre moitié. Comment ça? Tu as dit que t'avais besoin de mon gros flingue, non? J'ai une proposition. On fait un combat en quatre manches, d'accord? Et le vainqueur pourra décider de tout. Qu'est-ce t'en dis?
vais pas retenir mes coups parce que t'es une fille. Tu vas regretter de m'avoir défié. Ma petite chérie. Moi, c'est pareil. Quand je tape une fille, je retiens pas mes coups. Joueur 0538, dommage que vous ayez dû mourir. Voulez-vous retourner dans le jeu? Ouais. Joueur 0538, dommage que vous ayez dû mourir. Voulez-vous retourner dans le jeu? Ouais. Joueur 0538, dommage que vous ayez dû mourir. Voulez-vous retourner dans le jeu? Ouais. Joueur 0538, dommage que vous ayez dû mourir. Voulez-vous retourner dans le jeu? Ta gueule! Laisse tomber. Alors? Tu te décides? T'es avec nous? Ouais. Sacré paquet de points. Ils ne viennent pas toujours quand on les appelle. Waouh ! On dirait des géants de l'espace. Si on ne fait pas attention, ça va nous coûter plus cher que ça ne va rapporter.
Arrête de bavarder. Et prépare-toi à attaquer. Chose à te demander. Quoi? T'as combien en combat au corps à corps? 99. T'avais pas dit que j'avais transféré tous mes points dans cette capacité? Je suis en place. J'attends ton signal. J'ai réussi. Imbécile, les points reviennent aux premières entrées. Le jeu s'appelle Trahison, t'avais oublié? On va sauvegarder et les points seront pour nous. Tu connais les règles quand même? J'aurais dû t'acheter un moyen de transport. Allez, salut! Espèce d'immonde salope! Crevez!
joueurs. Et je vous promets de tous vous envoyer en enfer! Joueur 0538, s'il vous plaît, réfrénez-vous un peu. Occupe-toi de tes affaires! Ouah!